Bonjour à tous dans cette nouvelle Tech News numéro 2. Epic Games, la nouvelle mission sur Fortnite. Une nouvelle mission est disponible, visitez plusieurs restaurants de tacos en une seule partie. Réalisable en suivant une route, cependant cette route est loin d'être la plus simple. Vous l'avez deviné, il faut passer par la ville de Tide Tower. God of War, une PS4 Pro Collector qui s'illumine dans l'obscurité. Une société brésilienne a eu l'excellente idée de se baser sur le collector officiel pour concevoir la Light Shield Edition, et le résultat est bluffant. MotoG6 et MotoG6 Plus, Motorola a dévoilé ses nouveaux MotoG6 et MotoG6 Plus lors d'un événement au Brésil. Disponibilité et prix. MotoG6 Plus sera en vente au Royaume-Uni à partir du 2 mai au prix de départ de 269 pounds et sera disponible exclusivement chez Carphone Warehouse. MotoG6 sera en vente également au Royaume-Uni à partir du 2 mai au prix de départ de 219 pounds et sera disponible auprès de Vodafone, Amazon, Argos et John Lewis. Et enfin, MotoG6 sera mis en vente à partir du 2 mai au prix de départ de 169 €, sera disponible chez EEO2, chez Carphone Warehouse, Tesco, Amazon, Argos et John Lewis. On termine avec les Ryzen. AMD veut voler plus de parts de marché avec les processeurs de bureau Ryzen de deuxième génération. Advanced Micro Devices lance aujourd'hui ses puces de bureau Ryzen de deuxième génération dans le but de répondre à une plus grande partie du marché du processeur PC. La suite sur le net.